150 exposants, le record est battu cette année pour le Salon de l'Habitat. Tous sont venus dans l'espoir de booster leurs ventes, mais avant, il faut pouvoir débourser une certaine somme pour installer son stand. Ça dépend de l'emplacement, si on est intérieur, extérieur, de la surface et de la position du stand qu'est l'exposant sur le salon. En moyenne, on peut être entre 3 000, on va dire, à 10 000, voire un peu plus. Le coût est amorti au prorata des clients qui vont signer, bien évidemment, des contrats chez nous. Ça permet vraiment de booster le chiffre d'affaires. Amortir les coûts, encore faut-il que les visiteurs soient venus pour acheter. La plupart sont plutôt là pour regarder. Je suis venue voir comment ça se passe au salon, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait m'intéresser. Et faire un petit peu le tour, c'est tout. Pas de budget, on vient juste regarder. Et voir ce qui pourrait m'intéresser et voir si je pourrais construire un projet dans l'avenir. 25 000 visiteurs s'étaient déplacés l'année dernière. Le salon battra peut-être un autre record cette année, celui de la fréquentation.